Aujourd'hui, on va parler de l'enfer. Et puis, pendant ces minutes qu'on va partager ensemble, Bismillah, on va voir depuis quand l'enfer existe. À quoi ressemble sa chaleur, sa taille, sa couleur, ses châtiments, ses nourritures, ses boissons, son ombre, ses chaînes, les cris des gens de l'enfer, leurs souhaits, et que l'enfer peut être une demeure éternelle pour certaines personnes. Ahibati fillah, mes chers frères, mes chères sœurs, pour commencer, sachez qu'Allah tabaraka ta'ala a créé l'enfer avant de créer les êtres humains. L'imam al-Tahawi rahimahullah, il a dit dans son ouvrage Al-Aqidah al-Tahawiyya, le paradis et l'enfer sont des créatures. Ils ne sont pas appelés à disparaître, donc ils sont éternels. Allah tabaraka ta'ala a créé le paradis et l'enfer avant les créatures. C'est ce que dit Al-Tahawi rahimahullah. Il leur a aussi créé des êtres pour les occuper. Il fait entrer qui il veut au paradis par sa grâce et fait entrer qui il veut en enfer par sa justice. Chacun agit en fonction de ses limites et poursuit son destin. Le bien et le mal sont prédestinés à l'endroit des serviteurs. Fin de ce qu'a dit l'imam al-Tahawi rahimahullah. Et l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah, il a dit dans son commentaire de Tahawiyya, il a dit le paradis et l'enfer sont des créatures. Les gens de la Sunna ont toujours convenu que le paradis et l'enfer sont deux créatures qui existent à l'heure actuelle. Vous entendez ? Le paradis et l'enfer sont deux créatures qui existent à l'heure actuelle. Fin de ce que dit Ibn Abil Izz rahimallah. L'enfer existe déjà. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a déjà vu. Allahu Akbar. Parmi ce qui prouve que l'enfer existe déjà, Allah tabaraka ta'ala a dit « وَاتَّقُوا النَّارَ أَلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ » et craignez le feu préparé pour les infidèles. Il est déjà préparé. Et sachez que notre prophète alayhi salatu wassalam a vu l'enfer quand? Oui. Al-Isra ou al-Mi'raj. Dans le voyage nocturne et l'ascension, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu le paradis et l'enfer. Selon Anas radiallahu anhu, quelque chose parvint au prophète alayhi salatu wassalam concernant ses compagnons. On lui avait rapporté qu'ils riaient dans leur réunion. Il leur fit ce serment. Il leur a dit alayhi salatu wassalam, on m'a présenté le paradis et l'enfer et je n'ai jamais rien vu jusqu'à ce jour de plus beau ni de plus affreux. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez certainement peu et vous pleureriez certainement beaucoup. Ce fut pour les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam la journée la plus pénible de leur vie. Ils se couvrirent le visage et se mirent à pleurer en faisant entendre un azimant, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Ce qui est très impressionnant dans ce hadith, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit très peu de paroles. Il a dit, si vous saviez ce que je sais, et vous connaissez ce hadith par cœur, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Les compagnons se sont mis à pleurer. Ça montre qu'ils avaient un cœur très sensible au rappel. Il leur a fallu très peu de paroles pour que ça touche leur cœur et qu'ils pleurent. Nous, on entend des discours, des khutbas de Jumu'ah, des rappels et des rappels. On en met sur nos smartphones, on en met quand on est en voiture et il n'y a rien qui change. Ça ne touche pas nos cœurs. C'est pas normal. Bien évidemment, je ne généralise pas. Je parle d'une catégorie de personnes qui est insensible au rappel. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Le soleil s'éclipsa du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Dans la suite du hadith, le prophète sallam a dit « J'ai vu le paradis et voulu m'en saisir d'une grappe, une grappe de fruits. Si je l'avais obtenu, vous en mangeriez jusqu'à la fin du monde. » Et j'ai vu l'enfer. Et je n'avais jamais découvert un spectacle aussi affreux, c'est rapporté par Bukhari Muslim. Il s'agit de l'enfer. Et dans le cas où il t'arrive d'oublier l'enfer, la chaleur de l'été nous rappelle l'enfer. La chaleur de l'été. On a déjà connu des canicules, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez bien. Abu Huraira radiallahu anhu nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'enfer se plaignit auprès de son Seigneur en ces termes. » L'enfer, elle s'est plaint à Allah en ces termes. « Seigneur, mes parties se rongent les unes les autres. » Alors, Allah lui accorda deux souffles. Deux souffles à l'enfer. L'un en hiver et l'autre en été. C'est pour cela que vous connaissez à certains moments de l'année la chaleur la plus intense et le froid le plus glacial, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Mais vous réalisez, subhanallah, que la chaleur de l'été, c'est un souffle de l'enfer. Des fois c'est suffocant, c'est vrai ou pas? Ni chez toi, ni à l'extérieur, t'arrives à quoi?
à trouver ton compte, il fait trop chaud. Ça, c'est un souffle de l'enfer. Mais qu'en est-il de l'enfer lui-même? Mes frères et sœurs, si l'un de vos parents vous avertit en criant « Attention le feu! Attention, tu vas te brûler !» Qu'est-ce que tu vas faire? Sans aucun doute, tu vas avoir très peur et tu vas fuir l'endroit où il y a le feu. Pourquoi? La réponse, car tu ne doutes pas de la véracité des propos de tes parents. Mais qu'en est-il alors si cet avertissement vient d'Allah? Imagine que celui qui nous avertit de l'enfer, c'est Allah. Mais pourquoi est-ce que nos cœurs sont insensibles? Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'Allah, tabaraka ta'ala, on le sait, il est plus miséricordieux envers nous que ne le sont nos parents. Allah, tabaraka ta'ala, est rahim. Allah, tabaraka ta'ala, a créé sans miséricorde. Il en a fait descendre une sur terre par laquelle les humains et les animaux se font miséricorde les uns les autres. Et il a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement. Et tu vois, Allah Ta'ala qui est Rahman, qui est Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il nous avertit du châtiment. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il veut qu'on soit sur le chemin de la guidée. Il veut qu'on revienne vers lui. Il veut qu'on se repente. Il veut qu'on arrête les péchés. Il veut qu'on fasse des bons choix dans notre vie, qu'on ne regrettera pas plus tard. Regardez concernant la miséricorde d'Allah, selon Omar ibn Khattab, le prophète alayhi salatu wa salam, vint avec un butin. Voilà tout à coup l'une des prisonnières qui venait en toute hâte. Dès qu'elle trouva un bébé parmi les prisonniers, elle le serra contre sa poitrine et lui donna son sein à téter. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, verriez-vous cette femme jeter son enfant dans le feu? Est-ce que l'un d'entre nous il peut imaginer une maman jeter un nourrisson dans le feu? Qui peut imaginer ça? C'est impossible. Nous dîmes non par Allah. Il dit alayhi salatu wa salam, Allah est certainement plus miséricordieux envers ses créatures que cette femme envers son enfant. Allahu Akbar. Là on va parler pendant très longtemps de l'enfer. Mais c'est facile d'esquiver l'enfer. C'est facile d'avoir le paradis. C'est même gratuit d'accéder au paradis. Tu viens à la mosquée, c'est gratuit. Tu ne payes pas en entrant à la mosquée. Tu ouvres le Coran pour lire, pour le méditer, pour l'apprendre, c'est gratuit. Tu veux faire du dhikr, c'est gratuit. Tu invoques Allah, c'est gratuit. Elles sont là les clés pour entrer au paradis. Pour aller en enfer, tu payes pour l'alcool, pour la drogue, pour forniquer, etc. Le hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc je reviens à dire qu'Allah tabaraka ta'ala, il nous a avertis de l'enfer. Allah ta'ala a dit فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Vous entendez Allah, il nous dit quoi? Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe où ne brûlera que les damnés. Allah nous avertit dans ce verset. Allah Ta'ala il dit: Ya ayyuhal ladhina amanu, qu'u anfusakum wa ahlikum nara, wa qudha an-nas wal hijara, 'alayha malaa'ika. Comme ils sont ghiladun shidad, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Allah il nous dit: préservez-vous de l'enfer. Protégez-vous de l'enfer. Mettez-vous à l'abri du châtiment. Prenez le chemin de la guidée et de la piété. Est-ce qu'on préfère écouter notre Seigneur Azza wa Jal ou malheureusement on écoute le diable? Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Mes frères et sœurs, sachez que il n'existe aucune personne qui nous veut le bien comme le prophète sallam. Allah tabaraka ta'ala a dit: laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il veut notre bien plus que nous-mêmes, on le veut pour nous. Digère cette phrase. Il veut le bien pour toi et moi, plus que nous, on le veut pour nous-mêmes. Selon Buhrayra radiallahu anhu, le hadith est rapporté par Bukhari Muslim, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit: je suis par rapport à ma communauté comme l'exemple d'un homme qui allumait un feu. Regardez bien. Il dit, alayhi salam, je suis par rapport à ma communauté comme l'exemple d'un homme qui allumait un feu et dans lequel les insectes et les papillons tomberaient malgré que cet homme les repousse. Il y a un feu qui est allumé et les insectes et les papillons, ils vont vers le feu. Et cet homme, il essaye de les repousser pour pas qu'ils
brûle. Quant à moi, je vous empêche de vous précipiter dans le feu en vous tenant par la ceinture. Mais malheureusement, certains de vous m'échappent. Allahu Akbar. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a déployé tous ses efforts. Pourquoi ? Pour montrer le droit chemin aux gens. Pour qu'on soit guidé. Et malgré cela, il y en a qui préfèrent lui désobéir. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit « Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. » Et on lui a demandé « Qui refuse ?» Il a dit « Quiconque m'obéit, il a accepté d'entrer au paradis, et celui qui me désobéit aura refusé d'entrer au paradis. » Est-ce que tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Combien de fois t'as entendu « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire telle chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose ?» Combien de fois t'as entendu ces phrases ? Et quel a été ton réflexe après avoir entendu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous veut le bien plus que n'importe qui, nous a averti du feu de l'enfer. Il a peur pour nous de l'enfer. An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu nous rapporte, j'ai entendu le prophète sallam nous délivrer un discours dans lequel il a dit « Je vous avertis de l'enfer, je vous avertis de l'enfer. » An-Nu'man a dit « Au point où si une personne était au marché, elle l'aurait entendu depuis la mosquée. » Et il leva tellement la voix jusqu'à ce que son vêtement qui était sur son épaule tomba à ses pieds. Et le hadith il est rapporté par Ahmed. Le prophète sallam il a vu l'enfer de ses yeux. Il a peur pour nous de l'enfer. Mes frères et sœurs, il s'agit de l'enfer. Personne, j'ai bien dit personne, ne pourra supporter l'enfer. Personne n'a la capacité d'imaginer ce qu'est l'enfer. Sa souffrance est permanente. La tristesse de ses habitants est énorme. Sa chaleur est intense. Son fond est lointain. Ses chaînes sont en fer. La nourriture de ses habitants sera ad-dari', des épines. Az-zakoum, c'est un fruit d'un arbre qui sort du fond de la fournaise. Leur boisson, comme l'a dit Allah, sera al-hamim. C'est une eau chaude qui jaillit d'une source bouillante. Ils boiront du sadid, c'est une eau trouble, contenant de grandes quantités de matière purulente. Ses habitants ne mourront pas, ne dormiront pas, ne se reposeront pas. Ils seront en enfer. Leurs vêtements seront de feu, leurs couvertures seront de feu, leurs lits seront de feu, ils mangeront du feu, ils vont boire du feu. Allahu Akbar. Il s'agit de l'enfer, la demeure de la misère, de l'humiliation, du châtiment. Les châtiments en enfer sont de plusieurs types. Allah tabaraka ta'ala a réuni en enfer des châtiments que nos yeux n'ont jamais vus, que nos oreilles n'ont jamais entendus et que nos cerveaux ne peuvent pas imaginer. Savez-vous ce que représente le plus petit châtiment en enfer ? Qui a une idée ? Ouais, une braise sous la plante des pieds, très bien. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, il rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le jour de la résurrection, l'homme qui aura les tourments les plus légers, celui qui aura les plus petits châtiments en enfer, ça c'est le plus petit châtiment, sera quelqu'un à qui on mettra deux braises. Deux braises, imagine-toi, dans les creux de la plante des pieds qui font bouillir sa cervelle. Ça, c'est le plus petit châtiment qui font bouillir sa cervelle, si bien qu'il croit que nul n'a des tourments plus grands que les siens. Il va croire que personne n'a un châtiment plus grand que lui. Et c'est pourtant celui d'entre eux qui a le plus léger supplice. Allahu Akbar, qu'Allah nous accorde le salut. Qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Hélas, nombreux sont ceux qui lisent les versets qui parlent de l'enfer en étant indifférents. Ces versets ne leur font pas peur. Leur peau ne frémissent pas. Leurs larmes ne coulent pas. Leur cœur ne bouge pas. On a des gens qui entendent parler de l'enfer dont les cœurs sont devenus durs au point où ils ne se sentent pas concernés. Ou parfois on a l'impression qu'ils se sentent en sécurité. Qu'ils ont la garantie d'entrer au paradis. Que c'est dans leur poche. C'est réglé. Comme si ce châtiment ne les concerne pas. Mes frères et sœurs, il s'agit de l'enfer. Et je vous recommande d'aller rendre visite aux personnes hospitalisées dans le service des personnes brûlées. Et regardez ce que fait le feu de cette dunya. Allez voir ceux qui ont été dévisagés par le feu de ce bas monde. Ceux qui ont perdu la peau de leurs mains, etc. Et sachez que le feu de notre bas monde n'est qu'un sur 70 du feu de l'enfer. Et une fois que tu auras vu ça, bah écoute maintenant ce hadith. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam nous a informé que votre feu, celui qu'allume le fils d'Adam, est une des 70 parties du feu de la géhenne. Ce feu qu'on a, c'est une
des 70 parties du feu de l'enfer. À l'occasion, les gens lui dirent, par Allah, si tel est le cas, ce feu suffirait. Déjà, le feu de ce bas monde, il suffit. Comme châtiment, on est d'accord ou pas? Le prophète sallam reprit, le feu de la géhenne a empli ce que le feu terrestre 69 parties, dont chacune d'elles a l'ardeur du feu terrestre. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Allahu Akbar. Si on réunit tous les feux de ce bas monde, ils ne sont absolument rien comparé au feu de l'enfer. Et pour commencer, sachez que l'infidèle, l'injuste, le pervers, quand ils vont avoir leur livre de la main gauche, et que ça sera donc l'échec pour eux, regardez ce qui les attend. D'après Anas radiallahu anhu, nous étions chez le prophète alayhi salatu wasalam. Il rit alors et dit, savez-vous de quoi je ris? Nous répondîmes, Allah et son messager le savent mieux. Il dit alayhi salatu wasalam, du discours du serviteur envers son seigneur le jour du jugement. Il dira, ô Seigneur, ne m'as-tu pas épargné de l'injustice? Le jour du jugement, le serviteur il est en train de discuter avec Allah tabaraka ta'ala. Il lui dit, ne m'as-tu pas épargné de l'injustice? Ô Seigneur, ne t'es-tu pas interdit l'injustice envers toi-même? Et n'as-tu pas épargné tes serviteurs de l'injustice? Allah, gloire à lui, dira, en effet. Ce serviteur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je n'admets pour moi qu'un témoin qui est moi-même. Je veux aucun témoin. Parce que vous savez qu'il y a plein de témoins le jour du jugement. Allah Ta'ala, il est témoin de nos actions, n'est-ce pas? On avait vu quoi encore comme témoin, rapidement? Les anges, Zid. Les membres de notre corps, Zid. Ouais. La terre sur laquelle nous vivons. Donc il y aura plein de témoins, vous vous rappelez? Très bien. Il dira par la suite, je ne veux pas que des anges témoignent sur moi. Je témoigne pour moi-même. Et il va penser que ça va lui être utile. Allah lui dira, aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre comptable et des nobles scribes témoins. On scellera alors sa bouche et il sera dit à ses membres, parlez. Allahu Akbar. Tu veux être témoin de ta propre personne? T'acceptes pas tous les témoins? Ok. Allah il va lui sceller sa bouche et il sera dit à ses membres, les membres de son corps, parlez. Allah Ta'ala il mentionne cela dans le Coran. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. T'imagines, les mains qui parlent. J'ai fumé de la drogue, j'ai bu de l'alcool, j'ai touché de l'argent sale, j'ai touché une femme dans le haram, ou la femme qui a touché un homme dans le haram. Les mains témoignent. Et leurs jambes, même les pieds, ils vont témoigner de ce qu'ils avaient accompli. Ils parleront alors de ses œuvres, alors qu'il ne pourra plus parler. Sa bouche, elle est scellée. Imagine, j'ai volé. J'ai fait tel haram. Je suis parti avec mes pieds dans tel endroit. Pourquoi? Pour désobéir, faire des péchés. Dans Sourate Fussilat, Allah nous parle de ce passage. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, « Wa qalu li juloudihim lima shahidtum alayna » قالوا انتقن الله انتقن الله الذي انتق كل شيء قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? T'imagines, quelqu'un il parle à sa peau, pourquoi t'as témoigné contre moi? Pourquoi? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé une première fois. Et c'est vers lui que vous serez retourné. Ses organes témoignent contre lui de ce qu'il a fait dans ce bas monde. Dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, qui est rapporté par l'imam Muslim, on l'a arrêté au moment où le prophète a dit, on scellera alors sa bouche et il sera dit à ses membres, parlez. La suite du hadith, il fera alors des invocations contre lui-même. Et il va dire, soyez éloignés, soyez anéantis à jamais. C'est pour vous que je luttais, que je faisais tant d'efforts. Il va, imaginez-vous, faire des invocations contre lui-même. Pourquoi? Parce que ses membres vont témoigner contre lui. Allahu Akbar. Le prophète, alayhi salatu wasalam, rit à propos de ce serviteur qui est prétentieux, qui pensait qu'il allait tromper le Seigneur de l'univers le jour du jugement. Et le hadith il est rapporté par un musulman. Puis une fois que ses organes auront témoigné contre lui, Allah dira aux anges, خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم.
saisissez-le, mettez-lui un carcan, une chaîne autour de son cou. Imagine déjà le jour du jugement commencer un jour difficile. Il a une chaîne autour du cou. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Puis, liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Cette chaîne, comme l'a dit Ibn Abbas, elle rentrera par son derrière et ressortira par son nez. T'imagines, il tourne comme une brochette en enfer. Car il ne croyait pas en Allah le très grand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah tabarak wa ta'ala nous dit: Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur yawma yus'habuna fi an-nar 'ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira: goûtez au contact de Saqar, la chaleur brûlante de l'enfer. Allahu Akbar. Sur leur visage, on les traîne en enfer. T'imagines? Ils sont traînés dans le feu sur leur visage. Sachez qu'il va arriver une chose qui est très étrange à l'infidèle lorsqu'il se rapprochera de l'enfer. Cette chose est que son corps ne cessera de gonfler, de grandir, jusqu'à ce que sa molaire fasse la taille de la montagne de Uhud. Et l'épaisseur de sa peau sera semblable à la distance parcourue en 3 nuits de marche. La preuve, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la molaire de chaque infidèle, subhanallah, man kafara billah, est semblable au mont Uhud. Sa molaire et l'épaisseur de sa peau est semblable à la distance parcourue en 3 nuits de marche, rapporté par Muslim. Plus le corps est grand, plus la souffrance est grande. Et sachez qu'à chaque fois que la peau de cet infidèle aura été consumée, Allah Ta'ala lui rendra son état initial. Pourquoi? Afin qu'il ne cesse de goûter à la souffrance. Allah Ta'ala, il dit: kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Subhanallah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on lui redonne une nouvelle peau pour qu'il regoûte au châtiment. Écoutez avec moi à quoi va ressembler la taille de cet infidèle finnar. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallam a dit: la distance qui existe entre les épaules de l'infidèle en enfer est de 3 jours de cavale d'un cavalier rapide. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Subhanallah. L'infidèle sera immense en enfer. Puis les anges lui feront porter les vêtements des gens de l'enfer. Sachez que leurs vêtements seront de feu. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs tuniques, donc leurs vêtements, seront de goudron. Et le feu couvrira leur visage. Leurs tuniques seront de goudron. Et le goudron prend vite, très vite le feu. Il sent mauvais. Sa couleur est laide. Imaginez-vous une personne qui est trempée dans du goudron et qui est jetée dans le feu. Lorsque l'infidèle sera sur le point d'être en enfer, sachez qu'il sera brûlé par sa chaleur qu'il sentira de loin. Qu'il sentira de loin. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit concernant le verset où Allah tabarak wa ta'ala dit dans Sourate Al-Furqan: إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا. Lorsque de loin ils, donc l'enfer, les voient, ils entendront sa fureur et ses pétiments. Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit: lorsque de loin ils les voient, donc l'enfer, l'enfer les verra d'une distance de 100 ans. Et sur leur chemin, la chaleur du feu leur brûlera le visage. Imaginez-vous, à une distance de 100 ans, leur visage brûlera juste par la chaleur de l'enfer. Ils regarderont l'enfer de loin et s'apercevront que le feu jette des étincelles volumineuses. Quelle est la taille de ces étincelles? Écoutez avec moi. Allah Ta'ala, il dit: إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ. Car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux. L'étincelle. L'étincelle de l'enfer. Comme des châteaux. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: une étincelle fait la taille d'un grand château. Car le feu jette des étincelles volumineuses comme des châteaux et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. Une fois qu'ils arriveront devant l'enfer, ces 7 portes s'ouvriront et ils entendront les bruits de l'enfer qui sont terrifiants. Et ils verront l'enfer qui est un châtiment terrible.
Allah Azza wa Jal nous dit Kalla innaha lava naza'atan lishawa. Mais rien ne le sauvera. L'enfer est un brasier arrachant brutalement la peau du crâne. Subhanallah. Le jour du jugement, l'enfer sera en colère. Et à chaque fois qu'il sera jeté des gens en enfer, l'enfer parlera et dira « Y a-t-il encore plus de personnes ?» Allah Ta'ala dit « Yawma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid » Le jour où nous dirons à l'enfer « Es-tu rempli ?» Il dira « Y en a-t-il encore ?» Subhanallah. Dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit « Quant à l'enfer, il ne sera rempli que lorsqu'Allah tabaraka ta'ala y posera son pied. » Et l'enfer dira alors « Cela suffit. » C'est à ce moment-là qu'il sera rempli et que ses côtés seront rassemblés les uns aux autres. Le hadith, on vous a dit, il est chez l'imam al-Bukhari Muslim. Frères et sœurs, quelle est la taille de l'enfer? Le prophète, alayhi salatu wasalam, le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhum. Il a dit, ce jour-là, donc le jour du jugement, on fera venir l'enfer avec 70 000 reines. Imagine-toi, 70 000 cordes. Et avec chaque reine, 70 000 anges pour le traîner. Chaque reine, elle est tirée par 70 000 anges. C'est-à-dire, là, on a 4 milliards 900 millions d'anges juste pour ramener l'enfer. Il est immense. Imaginez-vous tout ce nombre d'anges qui ont été décrits par Allah dans Sourate At-Tahrim, qui a dit Azza wa Jal, Alayha malaikatun ghiladun shidad. Subhanallah. Surveillés par des anges qui sont rudes, ils sont durs. La ya'soun Allah ma amarahum. Ne désobéissant jamais à Allah. À ce moment-là, l'infidèle, l'injuste, le pervers, leur souhait, vous savez, ça sera quoi? Ça sera de pouvoir se racheter du châtiment de l'enfer. Se racheter. Et écoutez avec moi ce verset. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants. Ya Allah, fais rentrer mes enfants en enfer et sauve-moi. T'imagines? Et bien évidemment, Allah refusera. Sa compagne, sa femme, brûle ma femme et sauve-moi. Et Allah refusera. Son frère, même son clan qui lui donnait asile et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. La réponse, Kalla, innaha lava, naza'atan lishawa. Mais rien ne les sauvera, dit Allah. L'enfer est un brasier arrachant brutalement la peau du crâne. Ils crieront alors, regretteront et ils se blâmeront en disant si seulement nous avions écouté ou raisonné. T'imagines, ils sont en train de brûler et ils disent quoi? Si seulement on avait écouté. Combien on a entendu de rappels? Combien de fois on nous a dit ça c'est haram, écarte-toi, ça a des conséquences, fais gaffe. Et les gens ils n'ont pas voulu écouter. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيدِ. Et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ah, si seulement on avait écouté. On nous a dit qu'il fallait obéir aux parents, ne pas les faire craquer. Puis, on les a fait craquer. On nous a dit qu'il ne fallait pas toucher à l'argent sale. On a touché à l'argent sale. On nous a dit qu'il ne fallait pas commettre la fornication. On a forniqué, on a dragué à toute patate. À l'école, les réseaux sociaux, on faisait que ça. De la drague, de la séduction. À la fin, ils se retrouvent à forniquer, d'autres à se retrouver enceintes. Certaines de nos sœurs se retrouvent après enceintes. Et après, on entend quoi? Est-ce que j'ai le droit d'avorter? C'est-à-dire fornication, puis avortement, puis. Tu vas où comme ça avec tes péchés? Normalement, en écoutant tout ça, tu dois avoir peur du châtiment de l'enfer. Ils vont dire, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils essayeront de fuir les anges afin de ne pas finir en enfer, mais les anges les rattraperont. Et ils ne pourront pas fuir. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ. Allah Ta'ala dit, le jour où vous tournerez le dos en déroute, sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah. يُعَرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ. On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Ibn Abbas a dit, radiallahu anhu, que les anges
casseront la tête et les pieds des criminels et les jetteront en enfer tête en premier. Et attention, dans tout cela, ils ne mourront pas. Allah Ta'ala dit فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَوُونَ. Ils y seront donc jetés pêle-mêle, et les errants aussi. Allah Ta'ala il dit وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَوِيَةٌ. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, yani sa destination, est un abîme très profond. On voit ici que l'infidèle sera jeté tête en avant. Il n'est pas jeté à l'endroit, il est jeté à l'envers. Et là, j'ai une question à vous poser. Savez-vous combien de temps il faut pour atteindre le fond de l'enfer? Ouais, 70 ans. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte, nous étions avec le prophète alayhi salatu wasalam, lorsque soudain nous entendîmes quelque chose tomber. Nous avons entendu un bruit. Alors le prophète sallam a dit, savez-vous ce que c'est? Nous répondîmes, Allah et son messager le savent mieux que quiconque. Il reprit alayhi salatu wasalam, c'est une pierre qu'on a jetée en enfer depuis 70 années et qui vient d'atteindre son fond. Et c'est rapporté par Muslim. T'imagines, la pierre, elle a mis 70 ans pour atteindre le fond de l'enfer. Imaginez avec moi celui ou celle qui ira en enfer et qui mettra 70 ans avant d'atteindre le fond de l'enfer. Son corps, pendant qu'il descend, il va se consumer plusieurs fois. Et à chaque fois, on avait vu que l'infidèle, qu'est-ce qui va lui arriver? Allah, il lui redonne une nouvelle peau pour qu'il souffre. Imagine une personne qui tombe d'un avion. À quoi elle ressent sa peur? Et en combien de temps cet avion va s'écraser? C'est quoi? Quelques minutes. Imagine que la personne descend en enfer pendant 70 ans. Et sachez qu'on peut prononcer une parole qui nous fait plonger en enfer 70 ans. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, l'homme dit sûrement une parole provoquant la colère d'Allah sans lui prêter la moindre intention. Exemple, un gros mot. L'homme dit sûrement une parole provoquant la colère d'Allah sans lui prêter la moindre intention. Calcule pas. Comme aujourd'hui, on voit des jeunes et moins jeunes, hommes, femmes, qui vont s'insulter au calme. C'est vrai ou pas? Sans prêter la moindre attention à ce qu'il a prononcé. Et le prophète s'en dit, dans le but de faire rire ses amis. C'est-à-dire, il va envoyer un gros mot, une critique ou une parole qui est violente, qui attire la colère d'Allah, pour faire rire les gens. Et voilà qu'elle le fait plonger en enfer 70 automnes, 70 ans. C'est rapporté par Al-Bazar. Quand tu entends un texte comme celui-là, tu dois faire très attention à ce que tu dis, à ce que tu prononces. Sachez, mes frères et sœurs, que lorsque les habitants de l'enfer entreront en enfer, les portes de l'enfer se fermeront. Allah Ta'ala dit « Innaha alayhim mu'sada fi amadim mumaddada ». Il se fermera sur eux en colonne de flammes étendues. L'enfer est une immense prison. Tu vas peut-être me dire, mais pourquoi une prison? La réponse, car le prisonnier en prison, on lui ferme les portes. On lui place des gardes à l'extérieur. Bah, sachez que les habitants de l'enfer seront enchaînés. On fermera sur eux les portes de l'enfer. Et ils auront des gardes qui seront les anges. Celui qui rentre dans une prison dans ce bas monde peut un jour sortir de cette prison. C'est vrai ou pas? Sans compter que la prison, bien que c'est une souffrance, c'est pas un plaisir, on est d'accord ou pas? Mais avec ça, ils ont quand même le moyen de respirer. Certains, ils ont des smartphones en prison, ils mangent, ok. Là, c'est une prison pleine de souffrances. Un point très important, l'infidèle, lui, quand il entre en prison, il n'en sort pas. Là, c'est une condamnation, c'est perpète. Allah Ta'ala, il dit « Thumma la yamutu fiha wa la yahya » où il ne mourra ni ne vivra. Le plus grand souhait des habitants de l'enfer sera de mourir. Mourir. En enfer, il y a plusieurs fonds. Quand on parle du paradis, on parle de degrés. Quand on parle de l'enfer, on parle de fonds. On ne dit pas les degrés de l'enfer, on dit les fonds de l'enfer. Selon Samour ibn Jundub, radiallahu anhu, le prophète a dit, parmi eux, l'un est saisi par le feu jusqu'aux chevilles, l'autre jusqu'aux genoux, l'autre jusqu'à la ceinture et l'autre jusqu'à la clavicule. C'est rapporté par Muslim. Les gens qui seront le plus châtiés en enfer seront Pharaon et les siens. Allah Ta'ala dit An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adhab. Le feu auquel ils seront exposés
matin et soir, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Pharaon et les siens auront donc le plus dur des châtiments, mais il y a également les hypocrites. On parle ici de Nifaq Akbar, la grande hypocrisie, celui qui montrait l'islam et qui cachait dans son cœur le kufr. Wal'iyadu billah. Inna al-munafiqina fi d-dark al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira. Allah Ta'ala dit, les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secours. Pour ce qui est des monothéistes, leur fin sera le paradis. S'ils entrent un moment en enfer, ils en sortiront pour rentrer au paradis pour l'éternité. Et ils n'auront pas un châtiment qui ressemble à qui ? À l'infidèle ou l'hypocrite. Savez-vous quel sera le combustible de l'enfer ? Allah Ta'ala il dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Et là, il y a un point important. Allah Ta'ala nous dit, préservez-vous et vos familles du feu. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à moi ainsi qu'à toi. Il nous dit, préservez-vous du feu. Juste après qu'Allah Ta'ala ait dit, préservez-vous, il dit, et vos familles. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de gens, quand ils reviennent vers Allah, et qui commencent donc à mieux pratiquer, à se réformer, à se repentir, à être sérieux dans leur pratique religieuse, au lieu de s'occuper de leur famille, il va aller voir ses potes, ses voisins, il va déployer beaucoup d'énergie pour essayer d'orienter les gens vers le khir, vers le bien, et son frère, sa sœur, ses parents, possible que ce soit ses enfants ou sa femme, ils sont dans les ténèbres, dans l'égarement, et ils ne calculent pas. La priorité, c'est que tu sauves ta peau et tes proches, ta famille. On a vu ici que le combustible de l'enfer sera les gens et les pierres. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on y ajoutera des gens, le feu augmentera encore plus. Les anges jetteront plusieurs personnes dans le feu et ceux qui seront en bas, dans le feu, qui serviront de combustible pour l'enfer, diront à ceux qui viennent d'être jetés sur eux, vous n'êtes pas les bienvenus. هَذَا فَوْجُ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous. Nul bienvenu à eux. Nul bienvenu à eux, ils vont brûler dans le feu. Ça veut dire quoi ici? Ils vont l'augmenter. كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أُخْتَهَا. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui l'aura précédée. Subhanallah. Savez-vous pourquoi le combustible de l'enfer sera les gens et les pierres? La réponse, car ces gens avaient un cœur dur. Allah Ta'ala dit ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. N'oubliez pas que ce feu, c'est une partie des 70 du feu de l'enfer. Qui est capable d'allumer juste une bougie et y mettre sa main ou son doigt pendant 2 minutes? Qui? Tu peux pas. Imagine maintenant un corps complet fennar. Ka'b al-Ahbar a dit, si un homme se trouvait à l'extrémité de l'Orient et que l'enfer se trouvait à l'extrémité de l'Occident, puis fut ouvert de l'enfer un orifice équivalent à la narine d'un taureau, l'homme se trouvant à l'extrémité de l'Orient aurait fondu par le samoum de l'enfer qui se trouve à l'extrémité de l'Occident. Le samoum, c'est le souffle brûlant. Allah tabaraka ta'ala, il dit فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. On ne brûlera que le damné. Mes frères et sœurs, il s'agit de l'enfer, le châtiment d'Allah. L'enfer fait peur. L'enfer fait souffrir. L'enfer est sombre. Abu Hurayra radhiyallahu anhu nous rapporte, l'enfer a été alimenté 1000 années, 1000 ans, jusqu'à devenir rouge. Puis elle a été alimentée 1000 années, jusqu'à devenir blanche. Puis elle a été alimentée 1000 années, jusqu'à devenir noire. Et l'enfer est maintenant noir. Il est noir comme la nuit obscure. Ce athar d'Abu Huraira, il est mawkouf ala Abi Huraira et il a le hukm du raf'a. Et il est hassan par ses shawahid. Frères et sœurs, une seule seconde en enfer fait oublier tous les plaisirs qu'on a goûtés dans ce bas monde. Anas ibn Malik radiallahu anhu, le hadith il est rapporté par l'imam musulman.
Anas y rapporte que le prophète a dit, on fera venir la personne qui avait le plus de bienfaits dans ce bas monde et qui sera en enfer le jour du jugement. Donc c'est quelqu'un qui est destiné à l'enfer et qui a eu le plus de bienfaits dans ce bas monde. Essaye d'imaginer à quoi ressemblait son mode de vie. Il a eu le plus de bienfaits dans ce bas monde et il est destiné à l'enfer. Et on le plongera dans l'enfer pendant un instant. Puis il lui sera dit, ô fils d'Adam, n'as-tu jamais vu un bien? Un bienfait t'est-il jamais parvenu? Il dira, non, je jure par Allah, mon Seigneur. Le fait d'être trempé une seule fois en enfer, ça fait oublier tous les plaisirs, tous les biens que tu as eus dans ta vie. T'imagines un peu cette personne qui est sur l'autoroute du haram sans limite. T'es en train de lui dire, mais freine, repens-toi, reviens vers Allah, arrête, adoucis ton cœur, purifie ton cœur, reprends salat, adore ton Seigneur comme il faut, arrête les relations illicites, surveille tes membres, désobéis pas à Allah, aime-le du plus profond de ton cœur et exprime-le par ta servitude, ta ibad, tes adorations. Et que cette personne-là, elle n'a pas calculé tous ses discours. Elle avait un cœur malheureusement qui était très dur. La personne qui aura connu le plus de bienfaits et de plaisirs dans ce bon monde, le fait d'être trempé juste un instant en enfer, ça lui fera oublier tout ce qu'elle a vu de bien. Cette personne va dire à Allah, Yawm al-Qiyamah, j'ai jamais rien vu de bien, Ya Allah. Rien. Un instant en enfer, c'est un formatage du disque. Les gens de l'enfer, est-ce qu'ils mangent ou pas? Oui, ils mangent. Ils ont même un repas d'accueil en enfer. Et tu penses le repas d'accueil, c'est quoi? C'est un beau plateau avec du saumon, hein, des plats raffinés, c'est ça? Non. Allah Ta'ala dit, هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la résurrection. Ce repas d'accueil sera الزَّقُوم. Un fruit d'un arbre qui sort du fond de l'enfer. Et ils boiront Al-Hamim. C'est une eu chaude qui jaillit d'une source brûlante. Elle fait fondre tout ce qui se trouve dans les entrailles et les déchire. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, que pensez-vous aux serviteurs d'Allah de certaines personnes qui seront debout 50 000 ans sans rien manger ni boire? Quel serait leur état? Sachez qu'Allah fera que les habitants de l'enfer goûteront à la douleur de la faim, qui sera l'équivalent du châtiment de l'enfer. Une faim terrible, une souffrance inimaginable. Ils diront à ce moment-là, « Oh Allah, nous avons faim. » Ils veulent manger. Et les anges vont leur ramener de la nourriture. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils mangeront... Al-Dari'a, Al-Zakoum. Allah Ta'ala dit, « Inna shajarat al-Zakoum, ta'amul athim, kal muhli yagli fil butun. » Certes, l'arbre de Zakoum sera la nourriture du grand pêcheur. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Allah Ta'ala dit, أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَ فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Allah Azza wa Jalla nous dit, est-ce que ceci est meilleur comme ces jours où l'arbre de Zakoum, nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ça c'est dans le Coran. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Savez-vous ce qu'a dit notre prophète sallam sur Az-Zakoum? Selon Ibn Abbas, le prophète sallam lut le verset suivant. Ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qu'il mérite, ne mourrez qu'en étant soumis à lui. Puis il ajouta, si une goutte du Zakoum, qui sera la nourriture des gens de l'enfer, si une goutte du Zakoum tomba sur la terre, elle gâterait la nourriture de ses habitants. Que dire alors de ce dont il sera l'aliment? Et c'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi ibn Majah et Ahmed. Et les habitants de l'enfer mangeront aussi du dari'a. C'est quoi dari'a? C'est une sorte de plante épineuse.
ceux qui en mangent ne grossiront point et ne seront point satisfaits de ce qu'ils ont mangé. C'est une sorte de plante épineuse. Ceux qui en mangent ne grossiront point et ne pourront pas satisfaire leur faim. Allah Ta'ala dit « Laysa lahum ta'amun illa min dari'a la yusminu wa la yurni min ju'a » Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que ad-dari'a, des plantes épineuses qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Dans sourate Al-Muzzammil, Allah Ta'ala dit « Inna ladayna ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima » Nous avons pour eux lourdes chaînes et enfer et nourriture à faire suffoquer et châtiment douloureux. Imaginez-vous, ils mangeront du zarqoum et du dhari'a au point où les épines sortiront de leur visage, de leur cou. Ils en souffriront, ils auront soif, ils demanderont à Allah de les abreuver. Ils seront abreuvés. Mais quelle sera leur boisson? Leur boisson est al-hamim. C'est une eau chaude qui jaillit d'une source bouillante. Elle fait fondre tout ce qui se trouve dans les entrailles et les déchire. Allah Ta'ala dit et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles. Qui parmi nous est prêt à supporter tout ça? Qui? Mais mon frère, ma soeur, si t'es pas prêt de supporter ça, mais réforme-toi, change, booste-toi, répare ta relation avec Allah. Remercie Allah d'avoir entendu ce discours. T'es averti de ce qu'attend ceux qui ont fait n'importe quoi, qui se sont loupés dans ce bas monde. Reprends-toi en main. Qu'est-ce qui t'empêche d'être quelqu'un de pieux, d'être quelqu'un de sérieux dans ta pratique religieuse? Pourquoi tu remets les bonnes actions à plus tard? Tu sais que telle chose est obligatoire, tu dis je le ferai après. Mais qui te dit que tu seras vivant jusqu'à ce après? Allah Ta'ala il dit Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahatat bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, ils veulent boire, ya Rab, on veut boire. On les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson, nous dit Allah, et quelle détestable demeure. Et ils vont boire également du sordid. C'est une eau trouble, contenant de grandes quantités de matière purulente, difficilement avalée, et causant des douleurs atroces. مِوَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِوَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيدٌ. L'enfer est sa destination et il sera abreuvé d'une eau purulente qu'il tentera d'avaler à petites gorgées, mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas et il aura un châtiment terrible. Ils vont boire du hamim, du sadid, mais aussi du rassaq. Ça, c'est dans le Coran. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَرَسَّاقُ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ. Voilà qu'ils y goûtent eau bouillante et eau purulente et d'autres punitions du même genre. Et parmi les boissons de l'enfer, il y aura aussi tinatul khabal. D'après Jabir radiallahu anhu, le prophète a dit, Allah a pris l'engagement de faire boire à celui qui boit les boissons alcoolisées tinatul khabal. Il dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que Tinatul Khabal? Il dit la sueur des habitants de l'enfer, ou le pu des habitants de l'enfer, et c'est rapporté par Muslim. T'imagines? Et en enfer, il y a plusieurs types de châtiments. Le prophète, sallam, il a vu un homme qui allait être jeté dans le feu. Ses intestins sortent de son anus et il tourne en les traînant après lui comme tourne l'âne autour d'un moulin. Oussama ibn Zayd radiallahu anhu a dit, j'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, on fait venir l'homme pour le jeter dans le feu. Ses intestins sortent de son anus et il tourne en les traînant après lui comme tourne l'âne autour d'un moulin. Les gens de l'enfer se rassemblent autour de lui et lui disent, oh un tel, qu'est-ce qui t'arrive? N'est-ce pas toi qui commandais le bien et interdisais le mal? Mais c'est toi qui nous disais, faites le bien. C'est toi qui ordonnais le bien. C'est toi qui nous disais, faites pas le haram. Comment ça se fait qu'il est en enfer? Il est humilié.
Le prophète sallam a dit, qu'est-ce qu'il va dire cet homme? Il va dire, si j'ordonnais en effet, écoutez bien, cet homme va dire, si j'ordonnais en effet le bien, mais sans le faire moi-même, et j'interdisais le mal tout en le faisant. Eh les frères, faut se réveiller pour le fajr. Et moi je me réveille pas. Eh les frères, faut pas faire sortir la prière à l'heure. Eh les frères, faut pas faire sortir la prière de son temps. Et moi je fais sortir la prière de son temps. T'imagines? Eh, faut pas faire de la médisance. Et je fais de la médisance. Vole surtout pas. Triche pas. Mens pas. Et tout ce que j'interdis, je le fais. Arrêtez de regarder le haram quand vous êtes sur vos smartphones et que vous commencez à avoir des regards appuyés sur des femmes qui sont mal vêtues ou des femmes qui regardent des hommes qui sont pas bien habillés et qui commencent à savourer ça avec leurs yeux. Ils regardent le haram et quand ils vont parler aux gens, ils disent « Faut baisser le regard, akhi. Faut pas faire ça, c'est pas bien. » Bah, t'imagines cette personne-là? Comment sera humilié en enfer? C'est terrible. Il s'agit des gens qui ordonnent le bien, interdisent le mal, et ils font l'inverse. Allah Ta'ala dit: "Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun?" Allah nous dit: "Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison?" Toi qui appelles à l'islam, toi qui appelles au bien, comment peux-tu ordonner des choses que tu ne fais pas? Comment peux-tu interdire des choses que tu fais toi-même? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais l'inverse de ce que tu dis? Faut donc faire le nécessaire pour être sérieux dans notre pratique religieuse. Soyons donc sérieux dans notre pratique religieuse. T'ordonnes quelque chose, tu t'efforces de le faire. T'interdis quelque chose, tu t'efforces de t'en écarter. Les châtiments en enfer sont nombreux. Et sachez qu'en enfer, il y a une ombre. Une ombre. Allah Ta'ala dit: وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومْ لَا بَارِدٍ وَلَا كَلِيمٍ. À l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche, ni douce. Allah Ta'ala dit: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. Allez vers une ombre, une fumée de l'enfer, à trois branches, qui n'est ni ombreuse ni capable de protéger contre la flamme. Et lorsque le châtiment de l'enfer s'amplifiera, les habitants de l'enfer crieront de toute leur force afin qu'on leur apporte de l'aide. Après la mort, c'est deux destinations. Il y a des gens au paradis, il y a des gens en enfer. Choisis la bonne équipe. Allah Ta'ala dit: Fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Les habitants de l'enfer crieront de toute leur force et vont demander de l'aide. Et Allah Ta'ala, il nous dit ce qu'ils vont dire fil nar. Subhanallah, tout est clair devant nous. Tout. Tout a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Allah Ta'ala dit: Wa nada ashabun nari ashab al janna an afidu alayna min al ma' أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis: déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Là il s'agit des gens du feu qui vont crier aux gens du paradis: déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront: Allah les a interdits aux infidèles, ceux qui prenaient leur religion comme distraction et jeu. Et malheureusement, il y en a plein qui prennent la religion pourquoi? Pour un loisir et pas un mode de vie. La religion pour lui, c'est comme un menu dans un resto. Il prend ce qu'il veut. Ça j'aime bien, ça j'aime pas. Tu prends tout de la religion. Tu fais pas de tri de sélection. Tu prends tout. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa. Ô vous qui avez cru, entrer entièrement dans l'islam. Allah Ta'ala il dit: ceux qui prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait, aujourd'hui nous les abandonnons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Ils appelleront de toute leur force pour avoir de l'aide. Abu Muhammad al-A'mash rahimallah a dit: les habitants de l'enfer appelleront les habitants du paradis pendant 100 ans,
Puis la réponse des gens du paradis sera « Allah les a interdits ». À ce moment-là, les gens de l'enfer chercheront par tous leurs moyens une solution, une issue de secours. Et ils appelleront les gardiens de l'enfer, afin qu'ils les aident, qu'ils leur trouvent une solution. Et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice, juste un jour. Il nous soulage juste un jour. Allahu Akbar. Vous entendez ou pas? C'est dans le Coran, dans Sourate Ghafir. Priez votre Seigneur de nous alléger un jour de notre supplice. Ils diront, vos messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Ils diront si. Les gardiens diront, eh bien, priez. Et les invocations des infidèles n'est qu'aberration. Ils vont appeler, alors qu'ils sont fainéants, l'ange Malik, le gardien de l'enfer. Wanadu ya Malik, liyakdi alayna rabbuk, qala innakum makithun. Et ils crieront, ô Malik, que ton Seigneur nous achève. On veut mourir. Il dira, vous êtes pour y demeurer éternellement. Vous êtes là pour demeurer éternellement. Puis après cela, ils invoqueront Allah afin qu'il les sorte de l'enfer. Rabbana, akhrijna minha, fa in udna, fa inna zalimun, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Seigneur, fais-nous en sortir. Ya Allah, fais-nous sortir de l'enfer. Et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Il dit, donc regardez Allah, il va dire quoi? Soyez-y refoulés, humiliés et ne me parlez plus. Ils sont en enfer. Les habitants du paradis sont au paradis. Et qu'est-ce qui va se passer? La mort va être égorgée. Comment ça, la mort va être égorgée? Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, la mort sera ramenée sous la forme d'un mouton de couleur grisâtre. Et un héros criera aux gens du paradis. Ils se dresseront et se hausseront pour mieux voir. Il leur dira, savez-vous ce que c'est? Ils répondront, oui, c'est la mort. Et ils l'auront tous vu. Ensuite, le héros criera aux gens de l'enfer. Ils se dresseront et se hausseront pour mieux voir. Il leur dira, savez-vous ce que c'est? Ils répondront, oui, c'est la mort. Et ils l'auront tous vu. À ce niveau, il sera égorgé. Qui? Ce mouton qui représente la mort. Il sera égorgé entre le paradis et l'enfer. Et le héros dira aux gens du paradis, séjournez éternellement, il n'y a plus de mort. Aux gens de l'enfer, séjournez éternellement, il n'y a plus de mort. Puis il récita, wa andhirhum yawm al-hasra. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Et avertis-les du jour du regret. Le jour du jugement, parmi ces noms, il s'appelle le jour du regret. Il y en a parmi nous, ils se sont loupés sur terre, dans un examen, pour un diplôme, et ils ont regretté. Là, t'imagines le grand examen de l'humanité. Celui-là, tu veux le réussir ou tu veux le rater? Et avertis-les du jour du regret quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas. Et le prophète sallam pointa son doigt vers ce moment et s'est rapporté par un musulman. Est-ce que vous pensez que c'est fini? Non. Les habitants de l'enfer, ils sont en train de souffrir. Ils sont dans une tristesse indescriptible. Ils sont en train de payer le mal qu'ils ont fait sur terre, les péchés qu'ils ont fait sur terre. Et c'est pas terminé. Le diable, il va faire un discours en enfer. Ceux qui sont en enfer, leur souffrance, elle est intense. Et avec ça, ils ont un discours. De qui? Iblis. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est dans Sourate Ibrahim, Sourate 14, verset 22. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Et quand tout sera accompli, le diable dira, c'est-à-dire que les gens, ils sont en enfer et ils voient quelqu'un qui va prendre la parole. Il va dire, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité. Allah, il nous a promis, si on l'obéit, on a le paradis. Si on se préserve, on aura beaucoup de récompenses. Le prophète Hassan, il nous a enseigné que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplacera par quelque chose de meilleur. N'est-ce pas?
On n'a eu que des promesses de vérité de la part d'Allah et du prophète alayhi salatu wasalam. Certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, dira le diable, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Moi, je vous ai promis que non, tranquille, il n'y aura rien, t'as le temps, t'es jeune, éclate-toi, tout le monde le fait, c'est pas grave, c'est rien. Pour kiffer, t'es obligé de faire le haram. Il nous a embelli le haram. Je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous. Allahu Akbar. Il est en train de dire, j'avais pas d'autorité sur toi. Hein. Tu réalises un peu? Le diable, il est en train de dire, j'avais aucune autorité sur toi. C'est-à-dire, moi, je t'ai pas forcé à faire quelque chose. Et regardez la suite. Si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Moi, je t'ai juste donné une idée et t'as préféré m'écouter. Ne me faites donc pas de reproches. T'imagines, ils sont en enfer, ils entendent ça. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous-même. Allahu Akbar. Mais faut vraiment avoir un cœur de pierre pour entendre ce discours et rester insensible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux l'entendre en enfer, ce discours? Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Pourquoi est-ce que ton cœur continue à être aussi dur? Tu sais pourquoi? À cause des péchés. Tu l'as usé. Si aujourd'hui les cœurs ils sont durs face au rappel, face au dîn, c'est à cause des péchés. On a fait tellement de péchés que le cœur a durci. À nous de nous repentir, de demander pardon à Allah. Et c'est pas trop tard. Même si t'as fait énormément de péchés. Allah Ta'ala il dit, oh fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier du nombre de tes péchés. C'est pas perdu. Allah Ta'ala dans un hadith qudsi il dit, si mon serviteur vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en toute hâte. C'est-à-dire si tu fais un pas vers Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala va t'ouvrir tous les chemins qui mènent à lui et va te donner beaucoup de récompenses pour peu d'efforts. Reviens vers Allah, c'est pas perdu. Ne désespère pas, garde espoir. Et en même temps, crains ton Seigneur. Aie peur de ce châtiment. Quand est-ce qu'on va revenir vers Allah? À quand un repentir sincère? Toi qui ne fais pas salat, t'attends quoi? Toi qui ne payes pas zakat, c'est un pilier de l'islam, et qui n'a jamais cherché à calculer ça correctement, t'attends quoi? Toi qui retardes le hajj, t'as de l'argent pour faire 30 hajj. Et tu dis non, pas maintenant parce que je suis en train de, t'as vu, dans mon business là, je suis en train de mettre en place des choses. Mais t'attends quoi? Ou bien notre sœur qui est en train de retarder le hijab. Mais pourquoi ma sœur? Ou ceux qui sont en train de faire craquer leurs parents, ou leur voisinage, ou ceux qui les entourent, qui ont un mauvais comportement, ou qui diffusent du haram aujourd'hui avec internet. Mais jusqu'à quand? Certains malheureusement, c'est des instruments de Satan. Au lieu d'appeler au bien, c'est des outils pour le mal. Il y a énormément de choses qui font entrer en enfer, parmi elles, al-shirk, Billah Azzawajal, al-kufr, la grande hypocrisie, la désobéissance aux parents, la rupture des liens de famille, riba, l'usure. Non, je vais faire un petit chrome vite fait pour sortir un bon bolide. Pourquoi tu t'exposes à ces dangers? Pourquoi? Pour quelle raison? Tout ce que tu as entendu sur l'enfer, ça t'a pas fait peur? T'en es insensible? Le fait de manger l'argent d'autrui, de voler, de manger l'argent de l'orphelin, ou bien les droits d'un tel, il avait un héritage, lui est pris. Tout ça, ça amène quoi? Vers l'enfer, le faux témoignage. Il se retrouve dans un tribunal, et pour sauver sa peau, il fait un faux témoignage. C'est grave. Les pots de vin, toutes ces choses-là, amène l'enfer. Également, la fornication, la consommation de tout ce qui est haram. Mais comment se préserver de l'enfer? Rapidement, par le tawhid, le fait d'adorer Allah tabaraka ta'ala seul, sans rien le associer. Par le fait de nous soumettre à lui. Et même si quelqu'un, min ahl al-tawhid, des monothéistes, entre en enfer, on vous a dit, il n'est pas là-bas pour rester éternellement. Le tawhid, c'est la clé du paradis. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, a dit « Allah a interdit à l'enfer celui qui dit « La ilaha illallah » en voulant
par cela sa face. Aime donc Allah de ton cœur et adore-le. Deuxième moyen d'esquiver l'enfer, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wasalam, qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Suivre sa sunnah, c'est le modèle. Allah Ta'ala a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً Vous avez en votre prophète, le prophète Muhammad sallam, un parfait exemple à suivre. Le prophète sallam lui-même, dans le hadith d'Ibn Abi Shaybah, il a dit: il n'y a pas une chose qui vous rapproche du paradis, donc une parole ou une action, sans que je vous en ai informé. Et il n'y a pas une chose qui vous rapproche de l'enfer sans que je vous en ai informé. Mes frères et sœurs, le châtiment d'Allah est énorme. Ne suivez pas les pas du diable et suivez plutôt le prophète alayhi sallam. 3, toi qui veux te sauver de l'enfer, on a dit le tawhid, suivre le prophète sallam. 3, crains Allah et peur de ton Seigneur Azzawajal. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Pour qui? Pour celui qui a redouté, qui a craint Allah. 4. Tu veux être sauvé de l'enfer? Invoque Allah. Invoque Allah. La plupart des invocations du prophète sont consistées à dire رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Seigneur Allah, donne-nous dans ce monde une bonne chose, dans l'autre également une bonne chose, et préserve-nous des tourments de l'enfer. C'est rapporté par Bukhari Muslim. Tu veux te préserver de l'enfer? Fais des aumônes, même si elles sont minimes. Le prophète sallam, il a dit اتَّقُوا النَّارُ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةً Craignez l'enfer ne serait-ce qu'en donnant en aumône un morceau de date. Un morceau de date, ça peut te préserver de l'enfer. Aussi, le repentir sincère. Le repentir sincère, il a des conditions. 1. Je regrette sincèrement de mon cœur ce que j'ai fait comme péché. D'accord ? Sincèrement, du cœur. C'est pas je me repens pour que les gens disent de moi, Mashallah, elle est devenue pieuse, il est devenu pieux. Non, c'est sincère. Et ça vient du cœur. Il y a un regret. 2. Je me détache tout de suite du péché. C'est ça le repentir. 3. Je suis déterminé à ne plus le refaire. Si tu n'as pas réuni ces conditions pour ton repentir, eh ben sache que tu n'as pas fait un repentir. Parmi les choses également qui protègent de l'enfer, il y a le fait de pleurer par crainte d'Allah. Également, la multiplication des jeûnes. Par rapport à pleurer par crainte d'Allah, le prophète m'a dit « N'entrera pas en enfer un homme, pas qu'un homme, un homme ou une femme. » Selon Bouraïra radiallahu anhu, le prophète m'a dit « N'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah, tout aussi bien que le lait ne rentre jamais dans la mamelle. » Et c'est rapporté par Tirmidhi. Également, le fait de jeûner. Le prophète m'a dit « Chaque fois que quelqu'un jeûne un jour par amour d'Allah, Allah éloigne à cause de ce jour son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en 70 ans, rapporté par Bukhari Muslim. » En fait, pour faire simple, plus tu vas faire des bonnes actions, plus tu vas t'écarter de l'enfer. À nous maintenant de faire des bons choix et d'implorer Allah de multiplier les du'as, de fréquenter des bonnes personnes, d'augmenter nos connaissances religieuses afin d'être sauvés le jour du jugement. J'implore Allah tabaraka ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le salut le jour du jugement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous notre livre de la main droite.